Hey, right on time. Come here, check this out. Hey, Dre sent over the number to that missing phone. Imani's tracking it right now. That was like 20 minutes ago. This is a browser game. Wow. No, fuck. You want to know what I found? Yeah. Okay, so it's pretty bad. The phone has a bunch of extra security to prevent remote access, which is cool until you fucking lose it. And it's a huge pain in the ass. It's firewalled. No way in, no way to track it. So you saying we got nothing then? We got one thing, but it's like high-key radical. Girl, I was being radical when your ass was still in kindergarten. What is it? You break into the FIB, find the server stacks for their mass surveillance program, stick a thumb drive in one of them to give me remote access, and don't get caught. Then I can get a full data signature and track any copies that got made. I thought this shit was gonna be hard. I made the FIB my bitch a long time ago. We got this, right? I just wanna know, why is it that every time I turn my back, y'all in here doing some slicing and didnicing and backroom dealings without me? Lamar, what the fuck are you doing here? Same thing you is, homie. Business. I need that sample I gave you, dawg. This is a supply and demand situation going on. LD Organics is going viral, baby. I'm supplying the green community. The whole revolution, man. And every ounce counts. So I need you to kick that up. Man, whatever, dawg. Look, it's downstairs on my desk in my office, all right? No dealio. I went down there already. You just gonna go through my fucking desk? My bad, Mr. Mogul. I didn't know us lowly employees weren't allowed in your office. I wouldn't have drank your coffee. Wait, hold on. Wait a fucking second. You ain't my motherfucking staff. Hey, what's wrong with your dog? Oh, he just... Child. Come here, boy. He old, man. Come here. See, dog. Come here, boy. You all over the place, man. What's happening, Chop? Man, I don't like the look of this. Wait a minute. Chop. You worrying us, dog? Man, that dog high as fuck. I can tell. It's all in the eyes, man. 100% purebred, satisfied LD Organics customer right there. Chop, what the fuck I tell you about eating weed? You're gonna have to get the little homie some snacks, because he's gonna have some major munchies in a minute. Get him like a little burrito, like a monster burrito, the wet one. Sorry to interrupt, but the client, if we're going after this phone... Client? What client? What the fuck? Man, you wasn't supposed to see that. Nigga, we done lost cabin pressure up in this motherfucker. Dre lost his phone? Dre lost his phone. That man's a physician. You know how important that is, man? I bet it's all kinds of shit in that phone. I wonder what's in that phone. Dude been making beats for years. A legend. Man, look, if that mythical lost album was up in that motherfucker, you playing it for me first. Dog, Trip, it ain't like that. If I did find something in the fucking phone, man, I'm giving it back to him. You repeatedly disappoint me, man. You owe me anyway, dog. Your dog made my re-up into an edible. What's so him, nigga? Come on, man, we gonna get Chop up out of here. Y'all take point on this, all right? Hey, I get on the line as soon as I can, because I got history with these FIB motherfuckers. Dog, come on! You think you can put in a good word with Dre for me? I mean, to get him to endorse LD Organics, man, we'll be on. I'm talking about Green Giant Buku retirement paper. Man, do you fucking ever listen to yourself? I listen to me all the time. You should listen to me. Maybe then we'll know what Dre phone at, nigga. You porte le chien, comment ça va être? But in your office. You know where your office is, right? Oui, porte le chien, mon dieu. Good. And we'll get started. Okay. Nouveau contact, du coup, on a elle aussi. D'accord, du coup, on a Franklin. Et du coup, notre chère informaticienne. Donc là, il y a quand même pas mal de monde. Pour bureau en bas, pour commencer à enquêter sur le téléphone volé de Dre. Du coup, ok. Côté-vous, sonnez l'institution. Contrat VIP. Donc là, on a accès au contrat VIP, les gars. All good? Ça travaille ici, hein. On n'avait pas de ce côté-là, je crois. Oh, c'est ça, c'est pour son internet, ok. Est-ce qu'on peut prendre les trucs ici? Je crois que oui. Ah ouais, c'est quoi? Un jus de fruits? Ah, les roses ici. Moi, dans un de mes appartements, le jus de fruits, c'était du jus de kiwi, je crois. Mais il était vert foncé, donc je me link. Ouais, je sais pas c'est quoi dedans, mais... Il a pas l'air d'apprécier. Ah, prends... Oh! On peut prendre des encas là aussi. Ok, c'est good, ça. J'ai vu qu'il y avait un petit arcade là-bas.
On peut jouer, je pense. Ouais, c'est le même arcade que j'ai dans mon... Dans mon truc d'arcade. Bon, là, on peut faire un petit bang, les gars, ceux qui veulent. J'imagine. Petit alcool, bon, toujours... Ah, c'est de la vodka pour une fois. D'habitude, c'est du whisky, mais là, c'est de la vodka. Bon, bien sûr, c'est dans le jeu vidéo, on peut boire. Mais la vraie vie, les gars, mollo mollo, hein, d'accord? Vous faites pas comme dans GTA, vous buvez pas un coup sec comme il fait dans GTA. Bref. Du coup, j'ai pas vu ce côté-là. C'est cosy ici. J'ai pas vu ce côté-là. Donc là, il a beaucoup d'ordinateurs. Donc c'est tous les informaticiens qui travaillent là. C'est du coup le boisson. Un soda. C'est quoi comme soda? C'est une sorte d'énergie. Bon, il coûte 1$, vas-y. On en prend un. Voilà. Une petite soif, on a bien travaillé. Du coup, là, il y a quoi ici? Voici votre armurerie privée. Elle vous permet de bénéficier d'une réduction exclusive sur l'achat de vos armes et équipements. Oh. Pourquoi j'ai pas eu ça avant? J'aurais eu moins cher les trucs que j'ai acheté. Oh, améliorer. Attends, on peut améliorer mon. Oh, bien ça. Là, vous permet de personnaliser vos arsenals. Vos saisons pour afficher vos. Vous pouvez acheter ici d'équipements tels que le recycleur. Ça, j'en ai encore de ça. Et après, j'utilise beaucoup mon. Bah, tu es plongé maintenant. Là, ça, c'est le soin. Si vous n'avez plus de vie, vous pouvez du coup. On va regarder ça vite fait, les gars. On va regarder vite fait. Vas-y, vas-y. Donc là, c'est l'oreillette. Oh, je l'ai pas, ça là, on va la prendre. Donc là, c'est les trucs que j'avais déjà. Bon, ça, c'est déjà. Ça aussi, j'en ai déjà encore. C'est dès que vous faites des braquages, vous pouvez avoir accès à ça. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est quoi? Merde. Là, c'est l'équipement, je les pare-balles, etc. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Là, c'est des armes corps à corps. Là, ça, si vous voulez, oui ou non, cacher vos armes, etc. Moi, je le fais pas, j'utilise tout, donc, quasiment. Donc. Salut, toi. Parlez au responsable de. Ok, voilà. Donc, ça, c'est les trucs que moi, je les ai déjà tous. Ça, c'est tous les trucs que j'ai déjà, les gars. Je sais même plus comment j'ai débloqué certaines choses. J'ai débloqué en faisant une émission. D'où j'ai dû peut-être les acheter. C'est vrai qu'il y a plein de trucs ici. Bon, je les ai tous, clairement, les gars. Pistolet, je les ai. Ah! Il y en a que j'ai pas. Par contre, il coûte cher. Je sais même pas assez pour l'acheter, je crois. C'est vraiment électrique. C'est un pistolet paralysant. C'est nouveau parce que je l'ai pas dans la. Les autres armes, je les ai déjà. Ça, c'est quoi comme pistolet? C'est des bleus lorsque vous avez terminé l'approche. L'approche visée. Braquage. Ah, j'ai pas fait encore le braquage de casino, c'est vrai. Je l'ai pas encore fait. Il faudrait que je le fasse. Ça, c'est des armes que j'ai débloquées et d'autres que j'avais achetées. Certains, je les ai depuis longtemps, donc je sais plus. Donc ça, j'achèterai peut-être un jour. Quand j'aurai assez pour voir si elle est bien. En vrai, je sais pas si elle est bien, les gars. Est-ce que vous l'avez déjà eu, par exemple, cette arme-là? Est-ce qu'elle est vraiment utile? Parce qu'elle coûte quand même cher. Hein. Wow. J'ai même pas. Ouais. J'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais pas investir dans une arme. En plus, dégâts, ça n'a pas beaucoup de dégâts, mais après, c'est une arme électrique, donc ça paralyse l'ennemi. Mais elle est bien précise, bien. Ouais. Dans le tir, ouais. Bon, je sais pas si. Portée, c'est une petite portée. Bon, c'est vraiment très proche de l'ennemi, quoi. Est-ce que ça vaut le coup, cette arme-là? Je sais pas. Ah, les mitraillettes, je sais pas toutes, apparemment. C'est quoi celle-là? Ah, c'est les mitrailleuses. Mais après, j'ai plein d'armes. En fait, t'as des armes qui sont. Regarde, celle-là, par exemple, je trouve qu'elle est presque pareille que celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez bien les cadences et les tirs, etc. C'est presque pareil. C'est pour ça que j'avais pas acheté l'autre. Peut-être un jour, je sais toutes les armes. Oh! C'est quoi celle-là? J'ai jamais vu cette arme-là dans l'armurerie, les gars. C'est une nouvelle arme, ça? L'arme des rangers de l'espace. Si vous voulez transformer les petits hommes verts en bouillie assortie. C'est la visée la plus américaine, ok. La manière la plus américaine de le faire. Ouais, mais il n'y a plus d'aliens sur la carte. D'ailleurs, les gars, ceux qui savent, les gars, parce que je me demande les aliens, etc., le secret de l'alien, il est plus disponible sur la carte, on est d'accord. Parce que j'ai rien vu de en rapport avec cet univers. Parce qu'en vrai, l'arme, elle est stylée, hein. Les dégâts sont pas mal, la clandestine est pas mal. Précision, ça va. On va dire que pour une arme, c'est. Ouais. À 5% de remise, hein, c'est pas. Ouais. L'arme parfaite pour accompagner votre. Revers, costume croisé, arrière.
dans le pack massacre de Saint-Valentin. J'ai dû acheter ça à l'époque. Vas-y. On va prendre des balles déjà. Hop. Ouais. Après, il y a quoi? Bon, tous les fusils d'assaut, je les ai tous. Hein. Ça, les 5 fusils d'assaut, je n'ai jamais customisé principalement après. Ceux-là, j'utilise souvent. Ces armes-là, ces armes que j'utilise souvent. Ça se voit quand j'utilise souvent une arme, généralement elle est customisée. Les pompes. Celui-là, ouais, j'ai beaucoup utilisé. Celui-là aussi, c'est pas mal. Il est quand même pas mal. Celui-là, ouais. Dans une mission, j'ai utilisé. Celui-là, je l'ai pas. Mais en vrai, on dirait pas un pompe. Hein. Quand on regarde comme ça, les gars, comme vous voyez de loin, vous vous dites pas, c'est un pompe. Et bah, si, c'est un fusil à pompe, mais lourd. Donc, je sais pas s'il est bien. Parce qu'au niveau de dégâts, il a l'air stylé. Qu'il ne tire pas trop mal. Mais précision, moyen. Et portée, ouais. Après, c'est un fusil à pompe, on ne peut pas tirer de loin non plus. Hein. C'est logique, les gars. Sniper, donc sniper, j'en ai que deux. J'ai celui-là et celui-ci. Celui-là, c'est ce que j'utilise souvent parce qu'il est quand même bien. Moi, je l'aime bien celui-ci. C'est un de mes préférés. Après, il y a celui-là qui est vraiment pas mal. Mais je sais pas si celui-ci. Oh, dégâts, par contre, regardez celui-ci. Les dégâts, en vrai, les snipers, c'est des dingueries. Il coûte 19 000 celui-ci. Celui-là, il coûte. Waouh, il coûte très cher. Pourtant, il fait moins de dégâts. En fait, il coûte hyper cher. Mais si on regarde bien, les dégâts, il y en a un peu moins. Cadence, il y en a un peu moins. Il est un peu moins précis. Enfin, en fait, il est pas aussi bien que les autres qui sont moins chers. Donc, je sais pas. Je suis mitigé. Ça, c'est du coup la grenade. Bon, ça, je l'ai pas pris. Parce que moi, j'ai déjà ces armes-là. J'avais déjà depuis longtemps. Ça, j'ai dû acheter il y a 3 ans de ça. Que j'ai joué à GTA sur PC depuis 2019, les gars. Mais pendant un moment, j'avais arrêté de jouer parce que bah, jouer solo, c'est pas ouf. Puis là, bon, j'ai quelqu'un avec qui jouer donc. C'est plutôt cool. Destructeur de l'infini. Il a l'air stylé. L'arme des rangers encore d'espace. Allez-y, dites que j'essaie de compenser un truc. Allez. Bon, je sais pas si elle est bien, parce qu'en dégâts, elle a pas la ouf. Mais après, elle a peut-être stylée en animation. Bah, après, ouais, il coûte cher quand même. Ça, c'est encore un. Ça dirait un pistolet, mais c'est. Ça m'intrigue, cette arme-là. Dégâts, c'est pas ouf. Par contre, portée. Ouais. Je sais pas, les gars. Dites-moi ceux qui connaissent. Bon, tout ça, j'ai déjà. Hein. Ça, c'est le truc basique qu'on connaît. J'ai pas un balle. D'ailleurs, bah tiens, j'en ai acheté un autre. Hop. J'ai pas un balle. Bon, on connaît, les gars. Hein. C'est j'ai pas un balle. Parachute, j'en ai déjà un. Hein. Hop. Voilà, voilà. Ok. Tranquillou. Bon, bah, c'est cool, la petite armerie. Bon, j'en ai passé un petit peu de temps dedans, mais j'avais envie de voir. Et tout. Bon, bah. C'était un bon investissement, on va dire. On passer par là. Ah ouais, du coup, là, on retourne au salon. Petite cuisine. En vrai, c'est super grand, ici. Là, encore une fois, on a un truc de jeu. Ouais. Là, c'est pour descendre en bas. Là, c'est des ascenseurs. Ascenseurs, ouais, ouais. Là, il y a plusieurs endroits, donc on pourrait s'y perdre, ici. Bon, là, c'est la cuisine, on l'a vu tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait un petit hall, ici. Ah oui, c'est là qu'on passe. Ok. Je prends de bonnes décisions, j'apprécie. T'as un investissement, cette arme. Ça. Devrait nous permettre de nous sortir. Pareil, n'hésite pas à aller voir notre malémerie pour récupérer tout dont tu auras besoin pour accompagner. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, Franklin, juste ce qu'il faut. C'est quand même méga grand ici. Là, c'est mon petit bureau, les gars. Ah, là, il est mieux rangé, mon bureau. Pour l'instant, comme on a zéro, c'est normal. On n'a pas encore. Bientôt, on aura l'argent, les gars. Le truc de golf ici. Ah, c'est vrai qu'on avait. Normalement, on a un truc de golf, les gars. C'est vrai, c'est vrai. Normalement, j'ai censé avoir un logement ici, moi. Et je sais pas où il est, mon logement. Je sais pas encore trouvé. Normalement, on est censé avoir un logement. Logiquement. Là, c'est le bureau de Franklin. Peut-être en bas en vrai. Parce que j'ai le bureau ici. Mais je pensais avoir un logement. Normalement, les potes. Donc, je vais remonter en haut. Parce que. Attendez. C'est vachement grand ici. Ici, c'est un appartement, on dirait. Donc, là, une petite cuisine. Je pense que c'est ici mon appartement, non? Voilà, on retourne ici. C'est trop grand que je me perdrai. Ah, voilà. Là où je voulais aller.
Alors, du coup... est-ce que c'est dans quoi qu'on va regarder? Tenue spéciale, non? Non. Ah, tenue de golf, voilà. Ah non, elle a tout bloqué, du coup. Donc ça, c'est la tenue de golf, les gars, que j'ai fait tout à l'heure. En vrai, c'est propre, hein. Vous en pensez quoi? Tenue de golf gratuite. Ouais, ça peut être drôle de s'habiller en golfeur. Bref, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à Petit Pote. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Ah bah, c'est pas une vidéo qui était prévue celle-ci, mais vu qu'il y a une cinématique, je l'ai mis du coup. J'ai fait une vidéo, puis je voulais visiter les lieux de certains endroits que j'ai pas visité tout à l'heure. Du coup, bah bref, on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Je vais être sûrement sur Fortnite à mon avis. Ça dépend dans quel ordre que je vais publier les vidéos. Parce qu'à l'heure qu'il est, les gars, il est 1h du matin et c'est là la boutique de Fortnite. Donc je vais sûrement faire du Fortnite juste après pour faire la boutique. Je sais pas quand cette vidéo-là va être publiée par rapport à l'autre. Dans quel ordre, on verra bien. Bref, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner. On se dit à la prochaine, les petits potes. Bye bye.